Yo les gens, c'est Xra pour cette toute nouvelle vidéo où vous allez apprendre les bases du bridge. Et oui les gens, aujourd'hui nous nous trouvons sur iPixel pour un petit peu vous présenter les différentes techniques de base de bridge à maîtriser. Donc le sneak de base, le sneak diagonal, le sneak des sneaks et le speed bridge ou ninja bridge. Donc en gros, si vous voulez rejoindre, moi ce que je fais, c'est que je vais sur le practice d'iPixel. Mais il y a bien d'autres serveurs pour faire ça. Par exemple, vous avez Bedwars Practice qui est un bon serveur pour faire ça. Après, si vous êtes un crack, vous pouvez rejoindre votre monde solo où vous jouez. Bon, après, vous pouvez aussi rejoindre un serveur crack comme RinaOrk. Bref, maintenant que vous avez fait ça, vous allez donc aller sur votre endroit pour practice et vous allez vous fixer un point A et un point B. Donc pour ça, première méthode, comment vous bridgez normalement? Normalement, je veux pas dire, mais vous ne savez pas bridge, vous ne savez pas sneak, vous ne savez rien faire, vous vous demandez comment aller d'un point A à un point B. Donc la méthode la plus simple, c'est d'utiliser cette petite touche shift. Vous allez vous mettre comme ça, droit sur le bloc, peu importe l'endroit. Vérifiez bien que quand vous avanciez, vous ne vous décaliez pas. Et vous allez tout simplement avancer comme ceci. Bêtement, mais simplement. C'est très simple, mais ça peut être très efficace, sachant que je n'appuie uniquement que sur la touche S. Ce qui est plutôt pas mal. Après, il y a des méthodes plus rapides, mais si vous voulez commencer vos premiers bridges, utilisez cette technique. Et vu que le temps est vraiment pas fou, regardez un petit peu la vitesse à laquelle je vais. Je vais à 1 bloc par seconde, 1,1 bloc par seconde, ce qui est vraiment pas fou. Alors, si vous voulez avoir une méthode un petit peu plus avancée que ça, tout en restant en sneak, vous vous mettez à 45 degrés, vous vérifiez en avançant sur Q et SD en même temps, que ça décale pas de l'axe et peu importe où vous visez, je vous conseille de viser le milieu du bloc. Vous allez avancer comme ceci. Vous pouvez rester appuyé sur la touche, mais je vous conseille quand même de garder le tempo en posant pile au bon moment. Ce qui vous fera une vitesse de 1,4-1,5 blocs par seconde. Ce qui est déjà bien mieux que l'autre méthode et qui vous fera faire un bridge plus rapide. Alors voilà, là j'ai mis 20 secondes. Donc, maintenant, pour arriver à une méthode plus concrète du droit, donc, vous avez le sneak des sneaks. Donc, le premier type de sneak des sneaks, la première chose pour vous entraîner en sneak des sneaks que je vous conseille, c'est de faire le sneak des sneaks comme ceci pour vous entraîner. Alors, voilà, vu que moi je vais assez vite, je tombe parce que pour moi c'est un petit peu trop lent, mais c'est bien si vous voulez commencer à apprendre. Donc, pour apprendre le sneak des sneaks, vous mettez comme ceci, vers le milieu du bloc ou un petit peu au-dessus, de façon à ce que quand vous enleviez le sneak, vous ne soyez pas, genre par exemple si vous vous mettez ici, vous enlevez le sneak, vous êtes au-dessus, donc ça va fail. Donc je vous conseille d'aller vers le troisième pixel, à peu près ici, d'avancer comme ça, quand vous avancez, ça avance droit. Et quand vous allez faire ça, vous allez poser le bloc, vous allez enlever votre sneak, vous allez avancer. Vous allez vous remettre en sneak, vous remettre sur le bloc et faire faire comme ça et faire ça. Vous pouvez faire un petit sneak rapide, comme ceci. Vous pouvez juste faire votre sneak des sneaks dans un premier temps comme ceci. Le sneak des sneaks, c'est quelque chose qui va vraiment se jouer au tempo. Donc, c'est-à-dire que c'est votre tempo. Il faut que vous posiez votre bloc pile au moment où vous cliquez avec la souris. Voilà, parce que ça va un peu lentement. Donc, en gros, ensuite, vous avez le diagonal bridge. Donc, c'est un petit peu comme le sneak que vous avez vu tout à l'heure. Vous vous placez au milieu du bloc. Vous vérifiez bien que vous ne vous décaliez pas, comme ceci. Vous pouvez commencer à faire comme ça. Et vous faites exactement comme tout à l'heure. Vous allez poser le bloc, vous desneak, avancer. Bon, là, voilà, vous avez compris. Vous allez vous desneak, avancer. Même un tout petit mouvement.
Et vous pouvez, genre, vous faites un petit bloc comme ça, vous dites je le fais, et tu fais 1, 2, 3. Et tu vas déjà à une bonne vitesse. Donc, normalement, ça doit donner quelque chose comme ceci. Ce qui va te faire aller à une vitesse de 2 blocs 20, 2 blocs 30, ce qui te fait pas mal gagner en vitesse. Mais maintenant, nous allons voir la technique la plus optimale, le speed bridge. Donc, c'est exactement le même concept que le stingy sneak. Comme ça. Sauf que vous allez poser le bloc tout simplement plus rapidement en ayant un plus grand tempo. Au bout d'une certaine vitesse, ça marchera plus, hein. Je vous l'indique, mais en gros, la vitesse à peu près d'un ninja bridge ou d'un speed bridge, d'aller à 2,8 blocs par seconde. Donc là, j'espère que vous pouvez entendre les clics de ma souris, bien évidemment. L'avantage de toutes ces méthodes de bridge, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un très grand niveau de clic. Parce que vous cliquez juste au timing, donc vous avez juste 2,8 CPS. Ce qui est 2,8 CPS, tout le monde sait faire 2,8 CPS. Même votre grand-mère, elle sait faire 2,8 CPS. C'est juste le tempo. Honnêtement, pour maîtriser cette technique, ça vous prendra en tout 10 heures. Et franchement, 10 heures, pour vous dire, c'est vraiment pas beaucoup. Parce que contrairement au Breezly, au God Bridge, au Moonwalk ou au Telly, où il vous faudra beaucoup plus de CPS, et ben là, vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup de CPS. Et en plus, ça sera une méthode de bridge assez bien pour se déplacer. Sachant que, comme vous voyez, elle ne requiert pas toute votre attention, vu que c'est juste du tempo. Au bout d'un certain moment, vous en avez même plus besoin. Vous pouvez très bien le faire. Et en plus, autre avantage du Ninja Bridge, vous pouvez faire votre Ninja Bridge, voilà. Mais quand vous voulez, vous pouvez vous arrêter, vous remettre en sneak. Dès que vous vous sentez plus, vous vous arrêtez, vous recommencez. Ensuite, technique suivante de bridge. Vous avez le diagonal bridge. Alors pour le diagonal bridge, il n'y a pas 36 solutions, les gens. Si vous ne savez pas comment diagonal bridge, en général, les gens qui ne savent pas diagonal bridge vont faire un bail, ils vont faire genre un truc comme ça, un genre de zigzag un petit peu bizarre. Le diagonal bridge, il faut bien se placer ici, poser le bloc et avancer. Donc ce que vous pouvez faire si vous êtes un débutant, c'est que vous faites ça. Ce qui n'est clairement pas une méthode optimale. Si vous voulez le faire vraiment, vous reculez comme ça, toujours en appuyant sur votre touche S, en étant incliné à 45 degrés. Et vous devez à chaque fois vous recorriger avec une autre touche. Et vous allez déjà pointer votre curseur comme ça. Ce qui va de base vous faire le bridge beaucoup plus rapide. Et vous allez double-clic. Juste avec votre doigt. Vous allez double-clic comme ça. Et là, vous allez gagner du temps pour votre bridge. Même si des fois, ça va partir un petit peu dans différentes directions. Ça reste quand même navigable. Et pour faire tout, vous pouvez le sneak des sneaks. Donc vous pouvez faire ça, ça, sneak des sneaks, ça. Vous vous arrêtez sur le bloc, vous posez, vous désniquez, vous posez, vous désniquez. C'est certes moins rapide, mais c'est quand même bien plus pratique. Autre type de technique, on va revenir en mode normal, hein, c'est ce qui est pratique. Vous allez mettre peut-être le slide. Pour ceci, vous vous demandez comment monter. Alors, ce que les gens font en général, c'est qu'ils font un bridge comme ça. Genre, ce que les gens vont faire, c'est qu'ensuite, ils vont tower comme ça. Ensuite, ils vont foncer. Sauf que, très clairement, c'est pas navigable de tower. Comment vous faites ensuite pour remonter? Alors, l'autre technique c'est que je vous conseille, c'est de faire ça. Alors là, vous ne spammez pas comme un gros imbécile parce que sinon, ça fait ça et vous restez toujours à la même hauteur. Mais vous attendez de monter. Vous ayez le bon tempo pour vous remettre pile au niveau du bloc. Et ensuite, vous faites ça comme ceci. Ce qui vous fait aller très clairement beaucoup plus vite. Et ensuite, vous faites votre petit ninja bridge. Après, ce que vous pouvez faire pour une map complètement staircase, comme vous pouvez le voir ici, c'est que vous allez sauter, on est d'accord? C'est peut-être le... Vous pouvez vous sneak des sneaks aussi pour sauter. Un peu plus complexe, hein.
Et au contraire, là, il faudra spammer un petit peu plus. Ça requiert un petit peu plus de CPS. Ensuite, dernière méthode de bridge de base. Bon, là, on va le mettre en slide. Et on va le mettre en diagonale. C'est ça. Vous avez bien vu le mouvement ? Au lieu de faire votre diagonale comme ça, ou je ne sais comment, votre diagonale comme ceci, tout simplement ça. C'est un truc qui requiert un petit peu plus de CPS. Bon, là, c'est parce que j'avais fait des records totalement éclatés et tout, où j'étais pas arrivé. En gros, vous sautez comme ça et vous faites monter votre bail. Comme ceci, vous le faites monter, vous vous remettez, vous le montez, vous vous remettez, vous le montez. Vous faites un petit triple clic en n'allant pas trop loin. Vous vous mettez comme ceci. Et ensuite, vous sautez. Et en même temps, posez en hauteur. C'est vraiment pas quelque... C'est encore moins compliqué que le Ninja Bridge si vous savez faire du diagonal. En gros, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire les bridges de base ou qui n'ont pas eu des méthodes très détaillées. Comme le staircase, etc. C'était Exra, à la prochaine.